Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va partir à la découverte d'un nouvel animal. Alors là, c'est un animal marin. Car c'est vrai que j'ai fait que des animaux pas du tout marins, que des animaux qui vivent en extérieur de l'eau. Et ben là, on va découvrir un animal marin que j'ai trouvé. Alors elle se nomme la Jurona ou lapin de mer. Mais avec des images qui s'affichent juste devant votre écran. Vous savez pourquoi ça s'appelle lapin de mer. Du coup, Jurona ou lapin de mer est un genre de nudibranche de la famille des Discodoridae. Je sais pas c'est quoi, ok. Alors partons à la description. Du coup, ce sont des gros nudibranches d'oridiens qui peuvent approcher des 20 cm de longueur. Ils sont équipés d'un panache branchial érigé en position antérodorsale et de rhinophores lamellés bien visible au-dessus de sa tête. Du coup, malheureusement, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le lapin de mer. Alors, pour que la vidéo dure plus longtemps, on va découvrir un deuxième animal. Et ce deuxième animal se nomme la limace de mer. Du coup, l'expression de la limace de mer est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de mollusques gastéropodes marins dépourvus de coquilles qui évoquent vaguement sur certains traits morphologiques les limaces terrestres. Du coup, il existe plus de 3000 espèces reparties dans toutes les mers et océans de la Terre. Elles peuvent vivre jusqu'à 700 mètres de profondeur et mesurer en majorité moins de 5 cm, à l'exception de quelques espèces telles que la danseuse espagnole qui peut atteindre 60 cm de long. Elles possèdent des rhinophores et elles sont hermaphrodites, mais en l'absence de partenaire, il peut se produire une parthénogenèse. Du coup, voilà pourquoi ça s'appelle la limace de mer, car ça ressemble à une limace, mais qui vit dans l'eau. Du coup, aujourd'hui, on est parti à la découverte de deux animaux marins qui changent d'habitude des animaux qui vivent pas dans l'eau. Du coup, on est parti à la découverte du Jurona au lapin de mer ou de la limace de mer. Du coup, j'ai passé cette petite vidéo à la découverte de ces deux animaux un peu marins, enfin un peu bizarres, des animaux marins un peu bizarres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour partager à la découverte d'autres animaux. Sinon, moi je vous dis c'était vous à la découverte de lapin de mer et de la limace de mer. Sinon, ciao tout le monde.